Bonjour madame. Non, elle peut pas me répondre, c'est une poupée sexuelle. Et vous savez que les ventes de poupées sexuelles auraient explosé pendant le confinement. Ouais, c'est vrai, il paraît que la clientèle se serait diversifiée. Par exemple, en Australie, ils notent une augmentation des ventes de 30 à 40%. Il y a même des couples qui achètent une poupée sexuelle, histoire de se faire un petit plan. T'entends, chérie? Et les poupées sexuelles, là, ça se vend comme des petits pains, il paraît. Chérie? Chérie, je te parle. Ils disent que les poupées... Chérie? Hey, bah, tu me regardes? Quand t'es là, tu bouges pas, qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, merde. Non, bon, je suis obligé de vous laisser, là, faut que j'aille au bureau de tabac acheter du poisson pané.